C'est vers la fin des années 1940 que la culture de l'anacarde a été introduite en Guinée. Pour des fins commerciales, elle ne commence qu'à partir des années 1990. Malheureusement, celle-ci restera assez faible pendant longtemps. D'ailleurs, les chiffres réels de cette filière ont été absents des données officielles du pays pendant plusieurs années. Selon une estimation faite par l'Institut de recherche agronomique de Guinée, IREG, en 2013, la production de noix de cajou serait d'un peu plus de 10 000 tonnes par an. Aujourd'hui, l'ambition de la Guinée est de multiplier ce chiffre par 6 pour compter 60 000 tonnes au cours des prochaines années. C'est dans cette optique que le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a lancé une initiative présidentielle visant à donner une place de choix à l'anacarde dans l'agriculture du pays, avec pour objectif d'atteindre 1 million d'hectares d'anacardiers d'ici 2020. Après avoir atteint les 200 000 hectares de plantation d'anacardiers en 2016, le gouvernement ambitionnait de les porter à 300 000 hectares en 2017. Dans cette initiative, deux principales zones de production ont été identifiées. Il s'agit du bassin de la Basse-Côte, dont la préfecture de Boké est alentour, et celui de la Haute-Guinée, dans la préfecture de Kankan et les préfectures environnantes. Depuis le lancement de cette initiative, la filière anacarde s'organise peu à peu. Une première campagne de commercialisation de la noix de cajou 2017-2018 est lancée par le ministère du Commerce à travers l'Agence guinéenne de promotion des exportations Agipex. Nous pouvons noter comme impact du lancement de la campagne de commercialisation de la filière cajou, 1. L'instauration d'un dialogue interprofessionnel entre les différents acteurs de la filière cajou qui leur a permis de se connaître et d'aboutir à un prix consensuel au prix plancher. 2. L'harmonisation des prix du cajou au niveau des différentes zones de production. 3. Une amélioration des revenus de tous les acteurs. Mais comment l'anacarde est produite en Guinée? Comment la filière est-elle organisée de la production, la transformation jusqu'à la commercialisation? Pour répondre à toutes ces questions, nous allons à la rencontre des acteurs de la filière à Boké, l'une des plus grandes zones de production. Nous sommes accompagnés par un planteur qui maîtrise bien la filière. Ici, nous sommes accueillis par Aboubakar Cheikh Bangoura, membre de la Fédération nationale des planteurs d'anacarde de Guinée. Il nous amène sur une pépinière d'un groupement qu'ils encadrent. C'est là que tout commence. Les itinéraires techniques de l'anacarde, les noix sont choisies à partir des plants que nous voyons vraiment propices. C'est des bonnes variétés. Les noix sont recueillis à partir des plants qui tombent. Donc à partir de là, on ramasse et on fait un système de trempage. Le trempage consiste ici à mettre au moins les plants dans de l'eau. Il y a ce système-là aussi. Toutes les plantes, toutes les graines qui flottent, on les récupère, on les met de l'autre côté. Et tous les plants, les graines qui sont en bas, on les récupère pour au moins la plantation, la pépinière. C'est ainsi que nous avons fait cette pépinière-là. C'est à partir seulement des graines qui sont restées en bas du récipient. Donc là, nous cherchons des sachets, on met du terreau là-dedans, on met la graine. Mais ça, c'est à partir du mois de mars, si nous avons de l'eau, ou à partir du mois de mai, les gens qui n'ont pas d'eau. Là, ils attendent au moins la saison des pluies pour pouvoir au moins arroser ces graines-là. Donc, à partir du mois de juin, on fait la transplantation au champ. Avant de transporter, on défriche le lieu. Après défrichement, on brûle. Après avoir fini de brûler, on fait le piquetage. Le piquetage consiste à mettre les piquets, la distance entre les plants, nous mettons des fois 10 mètres ou 12 mètres entre les plants. Donc, on fait la troison. Après la troison, nous transportons ces plants-là au niveau des vergers et on les plante. De là, nous nous rendons dans un verger où les plants sont transplantés. Les itinéraires techniques que nous avons appliqués avant
aujourd'hui, la densité était vraiment n'était pas respectée. Vous avez constaté, vous voyez là, il n'y a que 1 mètre ou 0,50 cm de distance entre les plants. Et ce qu'on recommande, c'est que la distance soit au moins de 10 à 12 mètres. Donc ici, présentement, nous sommes obligés, pour, si nous voulons avoir vraiment une bonne production, c'est d'avoir au moins cette distance-là, de 10 mètres à 12 mètres. Donc nous sommes obligés au moins d'élaguer d'autres plants pour donner au moins une sorte d'aération au niveau des plants. Le plant d'anacarde commence à produire à l'âge de 3 ans à 4 ans. Donc déjà, vous avez les graines. Avec l'apport personnel du président de la République à travers la distribution gratuite des semences, oui. Notre objectif est de produire 1 million de tonnes sur les 5 prochaines années. Mmh. Alors, qu'est-ce que vous avez pris comme disposition pour ça, à travers l'encadrement des paysans dans votre terroir? Bon, tout le monde sait que à Bokeh ici, la richesse principale, si je peux le dire ainsi, c'est la bauxite. Mais pour nous, aujourd'hui, les messages que nous passons devant les producteurs, les planteurs d'anacarde, c'est de les encourager à mettre en place cette culture-là. Si tu as au moins 100 plants au niveau de la plantation, parce que ça, les 100 plants, si tu respectes au moins les dimensions, 10 mètres, ça te fait au moins un hectare d'anacarde. C'est plus que combien de tonnes de bauxite. Est-ce que vous voyez? Donc, on les encourage vraiment à planter au moins, à s'initier, à se mettre en place, à mettre en place les anacardes. Vous savez, avec le président de la Chambre nationale d'agriculture, qui est Alhaji Bobo, il nous a dit que peut-être dans un an ou deux ans, il est en train de projeter une usine d'anacarde. En attendant l'implantation d'unités de transformation de la noix de cajou dans la zone, les producteurs se tournent vers l'exportation, un maillon de la chaîne aussi bien organisé. Au niveau de la filière cajou, c'est une longue chaîne de commercialisation. Il y a les collecteurs, il y a les acheteurs et maintenant les exportateurs. À Bokeh, nous sommes organisés des collecteurs qui sillonnent toutes les sous-préfectures en collectant des quantités, en général et remettant et les vendant aux acheteurs. Nous avons au niveau des acheteurs aussi, nous avons des expatriés, nous avons des Indiens, maintenant nous avons des Chinois, nous avons des Ivoiriens. Même des Sénégalais qui viennent acheter la noix de cajou de Bokeh. Et c'est une noix de cajou en général qui est sollicitée. Contrairement aux années antérieures, la commercialisation des noix de cajou n'a pas connu de succès cette année 2018. Cette année, nous avons eu des sérieux problèmes quand même. Puisque vous savez, il y a eu chute cette année. Les expatriés ne sont pas venus acheter. D'autres pensent que c'est ça. Or que réellement, la vérité est que c'est au niveau mondial que le prix a chuté. Cette année, on a commencé, le prix d'achat ici, c'était à 7 000. D'un seul trait, c'est venu à 10 000, 12 500. Donc, nous avons acheté jusqu'à 12 500. Paf, d'un seul trait aussi, le prix acheté, c'est venu jusqu'à 3 500, 4 000. Si je compare les années 2016-2017, tous les planteurs se sont frottés la main. Mais depuis 2017-2018, le prix acheté, c'est fini. Donc les gens se sont découragés. Même nous qui faisons au moins la pépinière, nous sommes tous découragés parce qu'on disait qu'il n'y a plus de preneurs dans ce cas-là. Pour éventuellement faire face à de tels problèmes, les producteurs s'organisent. Nous sommes organisés en groupement. Au niveau de ce groupement-là, quand on constate qu'au niveau d'une sous-préfecture, il y a au moins 10 groupements, on les regroupe pour qu'ils forment au moins une union sous-préfectorale. Donc, à partir d'une union sous-préfectorale, chaque union sous-préfectorale se retrouve pour mettre en place une union préfectorale, là où moi je suis. Donc, à partir de cette union préfectorale là, on adhère à la Fédération nationale des planteurs d'anacarde.
En 2015-2016, d'après les statistiques, on disait qu'il y avait 8000 tonnes qui étaient sorties à partir de Boké. Mais cela, on ne maîtrise pas les statistiques. C'est pour cela que l'union que nous avons mise en place, notre premier devoir à faire, notre tâche à faire, c'est d'abord maîtriser cette statistique-là. À côté de l'exportation, une partie de la production est localement transformée par des coopératives de femmes. C'est le cas de la coopérative des femmes de Kolabouyi pour la transformation des produits locaux et le groupement cadogonais de Boké. On achète les grains, on fait bouillir un peu pour enlever les acides qui se trouvent là-dedans, pour éviter les blessures des mains. Là, on fait ça, après on laisse sous le soleil au moins 3 jours. Après, on met en poste sous le feu, on brûle. On enlève les grains. Quand on finit de faire ça, maintenant on enlève encore les peaux qui sont dures sur le grain. On enlève ça. Après, maintenant, on fait ce que nous voulons faire. Si c'est pour griller, si on revend comme ça là, on le fait. Mais à part de ça, parce que les gens aiment ça, les gens demandent ça souvent. Là, on a vu obligatoirement, il faut mettre ça dans notre structure pour que ça soit élargi un peu, parce que les gens aiment, surtout les cacahuètes. Bon, si c'était le moment de récolte, on prépare aussi les pommes en confiture. On prépare le pomme comme à loco. On grille, on mange. S'il y a le travail de foire, on enlève on réclame les pommes, les femmes envoient les pommes, ça aussi on fait ça, on grille ça, on mange comme ça. Cette confiture, c'est en période de la production de d'anacarde que nous recueillons ces pommes-là. Nous recueillons ces pommes, quand c'est au niveau du marché, nous achetons les pommes les plus mûres pour les envoyer à la maison. On vient, on les lave proprement, on trie les bonnes qualités, nous utilisons un couteau que nous enlevons la partie où c'était accroché à l'arbre et la partie où il y avait la noix. La pomme reçue, nous tranchons cette pomme maintenant qui est débarrassée des impuretés. Après avoir tranché, on a un chiffon très propre. Nous pressons à travers ça pour débarrasser de la pomme de l'eau. Le pressé, là, nous mettons ça dans un mortier bien propre. Nous pilons jusqu'à ce que ça soit bien, en tout cas, pilé. Le pilé, là, nous remettons dans le jus qui a été recueilli. Nous utilisons la boîte graduée en kilo. La pomme qui a été pilée et le jus, nous mesurons cela par kilo. Donc, chaque kilo, nous mettons dans la marmite tant nombre de kilos de sucre. On bout ça très bien, on mélange avec du citron, une cuillerée de citron par 1 kg de produit mélangé de la pomme qu'on a recueilli. On bout ça jusqu'à ce que ça soit un peu lourd. Nous mettons sur le couvercle, nous inclinons un peu le couvercle. Si c'est un peu pâté, ça ne peut pas couler proprement. Ça attend de rougir comme la couleur que vous voyez. Les boîtes qui étaient préalablement lavées, désinfectées, bien secs, nous mettons dans ces bouteilles-là. Maintenant, quelques temps après, nous renversons. Une fois renversé, nous retampons encore ces boîtes recueillies-là dans une eau bouillante. Après avoir une eau bouillante pour désinfecter le tout. Maintenant, nous reprenons ces choses, ces boîtes, nous les déposons jusqu'à ce que ça refroidisse. Quand ça refroidit, nous mettons des étiquettes. Malgré leur volonté, ces femmes sont confrontées à d'énormes difficultés. On a besoin des machines pour décortiquer les noix. On a besoin de ça. Parce que les femmes souffrent. Il y a trop de blessures là-dedans. Avec les gaz, là, c'est difficile. Avec l'entourage aussi, l'environnement, les gens se plaignent aussi pour griller ça chaque fois, pour brûler ça, les gens parlent beaucoup. Il faut qu'ils nous aident à avoir les machines, des matériels pour l'anacarde.
Ça, on a besoin de ça. Et le financement aussi. Ah, dans le travail que nous faisons, nous rencontrons d'énormes difficultés parce que nous n'avons pas de matériel adéquat pour faire d'abord la chose, la confiture. Nous faisons ça avec nos marmites ordinaires. Nous utilisons les couteaux de cuisine. Bon, même normalement, ceux qui nous ont formés sont venus avec des planchettes bien propres, bien faites par rapport aux produits. Nous avons formé certaines femmes qui n'ont pas encore continué à travailler en ce sens-là parce que c'est l'écoulement qui est un peu difficile. C'est pourquoi ces femmes-là ne se sont pas mêlées pour ce travail. Quand tu fais la confiture, tu vas sillonner avec ça. Difficilement, ça s'écoule. Depuis quelques années, des industriels commencent à s'intéresser au secteur de l'anacarde. Aujourd'hui, une première usine de transformation de la noix de cajou voit le jour. Elle est implantée dans la préfecture de Dubrika. Pour comprendre le processus de transformation de la noix de cajou, nous rencontrons le responsable logistique. On envoie les produits bruts. Voilà les trois machines qui sont derrière là. Ça, c'est les machines de calibrage. Et ils calibrent. Le calibrage, ça consiste à mettre, à regrouper par taille, à trier les noix de cajou par taille, par rapport à la grandeur, du plus grand au plus petit. On a les A+, les A, les B, les C et les D. Le plus petit, c'est D. Après ça, on regroupe les A+, à part, les A à part, les B à part, on les transporte dans la cuisinière. On boue un peu à l'aide de la chaudière qui envoie du gaz, de l'eau chaude. On bouille les A+, on boue à 20 minutes, les B à 15 minutes, les C et les D là à 10 minutes. Après ça, on laisse refroidir pendant 24 heures. Après les 24 heures là, on met sur les machines de décortiqueuse et ils décortiquent. Ils enlèvent les premières couches là, là où il y a la chèvre là. Il y a les femmes qui sont là qui récupèrent les grains, les coques sortent de l'autre côté. Il y a les hommes aussi qui sont en train de récupérer là-bas. Une fois récupérés les grains, on les met dans une machine vibratoire pour mettre dans un chariot. Et le chariot là, on fait rentrer ça dans l'armoire pour le réchauffement. On réchauffe dans l'armoire. Ça va faire dans l'armoire 72 heures de réchauffement. Après, on laisse refroidir pendant 3 heures. On rentre encore dans l'autre armoire pour le refroidissement. Ça fait là-bas 24 heures. Après là-bas maintenant, on envoie sur les 4 chaînes que vous voyez là. Ça c'est pour les dépédiculeuses. On envoie là-bas pour dépédiculer. Ça veut dire quoi? Enlever les petites couches blanches là. Eux ils enlèvent. Quand ils enlèvent, tout est mélangé. Il y a les machines de tri aussi qui sont là. Et ils trient ce qui est propre, ce qui n'est pas propre. Quand on se débarrasse de ce qui est propre et ce qui n'est pas propre, ce qui n'est pas propre, on envoie, c'est les femmes qui sont assises sur la table, qui sont au fond là. Et ils enlèvent les pellicules là maintenant pour rendre propre. Après, on mélange ce que les femmes ont fait et ce que la machine a trié propre là. Il y a une machine encore qui est là, qui trie aussi par taille. C'est là maintenant, on met par fraction. Il y a le 240, comme vous voyez dans le traitement là. Ça, c'est la première fraction, 240, c'est le plus gros des amandes. Après 240, encore, la machine trie encore 320. Après le 320, il y a le 450. Après le 450, ça vient maintenant les cachets là. Il y a le WS, il y a le LD, il y a le. Et ainsi de suite. C'est combien de kilos contient le carton 22 kilos. Selon des responsables, cette usine a pour un départ une capacité de traitement de 25 000 tonnes de noix de cajou par an. De là, nous nous rendons à Cancan, le second bassin de production du pays. Avec sa grande capacité de production, attire des industriels. C'est le cas de l'entreprise Diaouné Agrobusiness qui est en pleine expansion. À ce jour, plus de la moitié des travaux sont exécutés. Aujourd'hui, la Guinée veut s'offrir sa part du gâteau sur le juté marché mondial et pourquoi ne pas concurrencer le leader régional, la Côte d'Ivoire.